Le cas exemplaire consiste au projet d'aménagement du textile technopark de l'Éthiopie et le projet d'aménagement du textile technopark de l'Ouzbékistan. Pendant ce cours, j'expliquerai l'état actuel des projets de coopération de développement international qui sont mis en œuvre par le Kyungbuk technopark. J'expliquerai donc en détail comment nous menons le projet du technopark afin d'appliquer le modèle technopark coréen au territoire local. Je pense que ce cas pourrait devenir une référence importante pour la tunisie en essayant de créer un organisme de base favorisant le développement industriel à travers ce technoparc à l'avenir. voici l'état actuel des projets de coopération au développement international menés par le Kyungbuk technopark. actuellement, nous menons des projets d'apd dans huit pays, dont l'éthiopie, l'ouzbékistan et le guatemala. nous menons un projet pour transmettre le modèle technopark de style coréen à l'Asie centrale, dans la région du Nouveau Nord et du Nouveau Sud et à l'Afrique, à l'Amérique centrale et du Sud, de manière stratégique en réponse à diverses demandes d'aide. Donc, si vous regardez l'Ouzbékistan, nous travaillons ensemble pour construire un textile technoparc ainsi qu'un parc de TI. En ce moment, en Afrique, les projets du textile technoparc éthiopien et du centre d'innovation technique du Ghana sont en cours de construction. En outre, au Kyrgyzstan et au Tadjikistan en Asie centrale, nous menons une activité de consultation en technologie pour promouvoir les entreprises locales. Et en Asie, au Cambodge et en Indonésie, nous fournissons également des consultations techniques aux entreprises locales. Nous créons une connexion entre les entreprises des deux pays. Et au Guatemala, qui est une base importante en Amérique centrale et du Sud, nous menons actuellement un projet pour la création d'un textile technoparc ainsi qu'un projet d'accompagnement technique afin de régler les difficultés confrontées sur les sites de production. Lors de la mise en œuvre d'un tel projet, il doit y avoir une consultation préalable avec le pays bénéficiaire et entre nos organismes nationaux. On effectue d'abord une étude de faisabilité. Ainsi, après avoir effectué une enquête préliminaire et détaillée, et après que le gouvernement coréen à examiner et délibérer sur le projet, celui-ci est désigné en tant que nouveau projet en recevant le budget exécuté par l'État. Ensuite, je vais expliquer plus en détail les projets les plus représentatifs actuellement en cours de réalisation, c'est-à-dire le projet de l'aménagement du textile Technopark de l'Éthiopie, et celui de l'Ouzbékistan. Le projet textile Technopark éthiopien a été lancé à la forte demande du pays bénéficiaire, c'est-à-dire l'Éthiopie. L'Éthiopie est un pays ayant un fort potentiel de développement dans l'industrie du textile. Elle bénéficie donc d'un environnement naturel très favorable à la culture du coton. En raison de sa population nombreuse, elle dispose d'une main-d'œuvre abondante, peu chère. Elle possède donc une compétitivité élevée en matière de coûts et de revient. Ainsi, le coût de revient est d'environ 30% par rapport à la Chine. Et par rapport à la Tanzanie, il est d'environ 60%. Et de nos jours, comme le coût de la main-d'œuvre, le salaire et les coûts énergétiques sont faibles, les investissements des entreprises étrangères augmentent rapidement. Cependant, il manque une base industrielle concernant les techniques pour le textile. Et 91% des entreprises embauchent des personnels de leur région. En effet, c'est un pays ayant une structure d'entreprise de très petites envergures, avec moins de 10 salariés. Par conséquent, le gouvernement éthiopien a établi avec une volonté active la stratégie pour le développement national. Qui est le GTP, et a désigné l'industrie textile comme la principale industrie stratégique du pays. Elle a ainsi déployé ses efforts afin d'attirer des investissements étrangers actifs et à encourager les co-entreprises d'investissement avec des entreprises textiles étrangères. Dans ce cadre, l'État a œuvré avec ardeur afin de promouvoir le projet de textile technoparc de la Corée et un accord a été conclu en avril 2015. Lors du sommet entre les deux pays. Du côté de l'industrie coréenne, la Corée a maintenant besoin d'une nouvelle base de production. Ainsi, dans le passé, la Chine avait été sa base de fabrication. Mais comme en Chine, les coûts de main-d'œuvre ont augmenté et que les réglementations se sont renforcées, la Corée a déplacé sa base de production vers l'Asie du Sud-Est. Elles ont donc beaucoup déménagé en Asie du Sud-Est, comme au Vietnam ou au Bangladesh, mais de nos jours, le coût de la main-d'œuvre a aussi augmenté rapidement et les réglementations se sont également renforcées dans cette région, ce qui n'est donc pas favorable pour l'environnement des affaires. C'est pourquoi, en ce moment, les entreprises textiles coréennes qui se sont implantées en Asie tentent d'établir de nouvelles bases de production. Et il y a également un fort potentiel de développement de marché. Dans le cas de l'Éthiopie, si le produit final est exporté vers l'Amérique du Nord ou l'Europe via l'Éthiopie, celui-ci bénéficiera d'un système commercial préférentiel tel que l'Agoa ou l'EDA. Ainsi, puisqu'il est possible de bénéficier des avantages de ces tarifs et du système de quotas, je pense que si les entreprises textiles coréennes produisent leurs produits finaux en Afrique, en Éthiopie ou dans d'autres pays africains, leur compétitivité augmentera. Ainsi, faisant face à la possibilité que l'Afrique de l'Est et d'autres régions africaines deviennent de futurs marchés, de nombreux pays africains sont considérés comme un tremplin pour pénétrer sur le marché africain ainsi qu'en Europe et aux États-Unis via l'Afrique. En outre, elle est également considérée comme base importante en tant que vague coréenne qui est populaire en ce moment en Afrique. Ainsi, nous nous attendons à une structure de cercle vertueux qui va au-delà de l'effet d'entraînement industriel et économique, et se développe en un lieu d'échange culturel qui, à son tour, crée un effet d'entraînement industriel et économique. Par conséquent, la Corée utilise la technique de production textile de l'Éthiopie afin de renforcer la compétitivité technique des entreprises locales et transfère également le savoir-faire de la gestion d'un technoparc de style coréen. Et l'Éthiopie établira un textile technoparc. Dans son territoire, jetant les bases de la croissance industrielle dans son pays. La Corée soutient donc la formation de la main-d'œuvre professionnelle et le renforcement de la compétitivité industrielle en fonction de l'aménagement du parc, tout en établissant une nouvelle base de production mondiale et en réalisant un effet de développement de marché à l'étranger qui incarne le modèle give and take gagnant-gagnant et cela aura pour effet d'essayer de parvenir à une coopération industrielle et économique durable entre la corée et l'éthiopie. en examinant brièvement la politique de développement national de l'éthiopie le gouvernement planifie le plan gtp qui a pour but le développement et le changement national en mettant l'accent sur l'urbanisation et l'industrialisation afin de jeter les bases d'une croissance économique durable. ainsi la première étape est terminée et la deuxième étape du projet est maintenant en phase finale en 2020. Le gouvernement éthiopien a ainsi établi le deuxième plan de développement économique, fixé quatre objectifs afin de devenir un pays à revenus intermédiaires d'ici 2025 et a défini neuf stratégies. Ainsi, pour stimuler les investissements étrangers, elle a conclu des accords de garantie d'investissement avec 21 pays, dont l'Italie et la France. Et elle a conclu des conventions de non-double imposition avec 16 pays, tels que les États-Unis, l'Italie, Koweït et la Corée. Pour promouvoir le libre-échange avec les pays africains, la Corée a rejoint le marché commun de l'Afrique orientale et australe. Et voici les quatre objectifs. L'objectif final est. Et les 9 stratégies de promotion du deuxième plan de développement économique de l'Éthiopie. L'objectif final est donc de devenir un pays à revenus intermédiaires d'ici 2025. A cette fin, le pays maintient un taux de croissance économique annuel moyen de 11%, améliore la technologie et la qualité des produits dans l'industrie agricole et manufacturière, et elle déploie ses efforts pour que tous les citoyens participe au plan GTP et pour renforcer son statut en tant que pays en développement. Cependant, elle se trouve dans une situation dans laquelle la réalisation de l'objectif initial est un peu retardée en raison de la COVID-19 et de diverses situations politiques nationales. Pour cela, neuf stratégies détaillées ont été établies, parmi lesquelles l'une des stratégies est de renforcer la promotion des PME et des industries, manufacturière. Et le pays se concentre sur l'accueil des entreprises à capitaux étrangers dans les secteurs du textile et habillement, ainsi que la transformation des produits alimentaires. A cette fin, le gouvernement prend l'initiative de développer des sites industriels et d'améliorer les systèmes douaniers et logistiques. Voici l'état actuel du développement des sites industriels en Éthiopie. Alors maintenant, avec un emprunt de la Banque mondiale, 11 sites industriels ont été construits au projet du premier stade. La partie marquée en bleu ici sont les sites en construction, dont certains ont déjà été construits. Pour les régions comme Kilinto et Bolelemi, c'est déjà fini. Et Dima est également sur le point de se terminer. Et 6 sites industriels marqués en triangle jaune sont déjà en train de fonctionner. Ici, vous pouvez voir les 11 sites industriels. La période d'achèvement, la superficie et les principales industries attirantes. Et comme l'Éthiopie n'a pas de port, toute la logistique passe par le dédouanement via le Djibouti. Ainsi, voici la distance jusqu'au port de Djibouti où se fait le dédouanement. Et comme Adi Ababa est la capitale, on a marqué la distance jusqu'à Adi Ababa. Si vous regardez ici, sur les 11 sites, à l'exception d'un, dix sites sont tous des sites de l'industrie du textile et de l'habillement. Ainsi, l'Éthiopie construit actuellement un site industriel avec une volonté active afin d'accueillir des usines de couture de vêtements du monde entier dans son territoire. Cela signifie qu'après la construction des onze sites industriels, il se trouve maintenant un projet de construction de sites industriels du stade 2. C'est pourquoi, il existe une société de développement de sites industriels appelée IPDE, qui est le Industrial Parks Development Corporation. Et grâce auprès de la Banque mondiale, en combinant les projets de stade 1 et 2 de nos jours, 29 sites industriels sont en cours de construction dans le territoire éthiopien. Et à travers ce site, de nombreux projets d'infrastructures de base Telles que les voies ferrées et les routes sont en cours de construction afin de résoudre les difficultés liées à la logistique que de nombreuses entreprises à capitaux étrangers ont signalées comme problème. Quand je parle de l'état actuel de l'industrie textile de l'Éthiopie, je parle donc des entreprises locales. Le nombre total d'entreprises était de 166, ce qui a légèrement augmenté ces dernières années. Le nombre d'employés, y compris les sociétés étrangères, est d'environ 51 000 ou plus. Ces entreprises sont de petites envergures, faibles en matière de technologie et d'environnement logistique. Et la plupart des entreprises locales font partie du secteur de la couture. Les entreprises à capitaux étrangers gèrent l'ensemble du processus, de la filature à la couture. Avec un grand potentiel pour la production de coton et une forte compétitivité en matière de coûts de revient, le pays a un potentiel élevé en tant que base de production textile mondiale à l'avenir. Et voici l'état actuel de l'industrie textile. L'industrie textile représente 12,6% de la production industrielle totale. Elle représente 1,6% du PIB. 4,7% de la production manufacturière totale et 2,46% des exportations totales. Et voici le volume des ventes et de la production annuelle. En termes d'exportation, l'Agoa a continué d'être étendue en raison de l'accord Agoa lors de l'exportation vers les États-Unis et l'Europe. Par conséquent, étant donné qu'il existe des avantages à l'exportation en franchise d'impôts, Hors quota, ainsi que des avantages liés à l'Agence européenne de défense, les exportations vers les États-Unis et l'Europe ont augmenté rapidement depuis la création de ces avantages. Les fibres synthétiques ne sont pas produites seules. Et toutes les fibres synthétiques, la laine, les colorants, les matériaux auxiliaires et les produits chimiques, sont tous importés. Pour le niveau de technique, on peut dire qu'il a un niveau faible. Et la plupart des machines textiles sont également importées de l'étranger. La plupart des industries sont concentrées dans le processus de couture. Il est donc urgent de renforcer les capacités techniques de chaque processus textile et de chaque chaîne de valeur. Et maintenant voici l'analyse SWOT de l'industrie textile de l'Éthiopie. Comme force, le gouvernement prend l'initiative de mettre en œuvre une politique de développement cohérente. La vitesse de mise en œuvre est donc rapide. Les infrastructures de base comme l'électricité et l'eau sont bon marché et les salaires sont encore bas. Et en Éthiopie, le salaire moyen est environ 70 dollars et au Vietnam, plus de 250 dollars, déjà plus de 300 dollars. C'est pourquoi il y a une compétitivité en matière de prix. La population parle très bien l'anglais et a une excellente capacité à acquérir une éducation. Il existe de nombreuses exonérations fiscales. Ainsi, comme les coûts de main-d'œuvre en Asie et en Chine augmentent, l'Éthiopie, qui possède une population riche et jeune avec un coût de main-d'œuvre bon marché, il est probable que les commandes et les sociétés d'investissement en Chine et en Asie se tournent vers l'Éthiopie et l'Afrique. Il s'agit donc d'une excellente opportunité car il a une tendance à déplacer la base de production textile vers le continent africain. En utilisant le Agua Weda, il y a l'avantage de pouvoir l'utiliser comme base d'exportation au fur et à mesure que les commandes en provenance de l'Amérique et de l'Europe augmentent. Cependant, concernant les faiblesses, jusqu'à maintenant, la qualité et la productivité sont faibles en raison de la faible capacité technique. Il y a encore beaucoup de produits défectueux et la productivité est pour l'instant faible car les conditions de travail des ouvriers et la formation de base sur le travail sont médiocres. Ainsi, lorsque nous interviewons les PDG des entreprises qui investissent actuellement, même si la main-d'œuvre est bon marché, comme la productivité et la qualité sont encore faibles, il n'y a toujours pas de profit significatif. Cependant, il affirmait qu'il y a une forte possibilité de devenir une bonne base de production textile et que la capacité technique se renforcera progressivement à l'avenir. Par conséquent, l'Éthiopie doit désormais développer rapidement la capacité technique du personnel local. Et dans ce cas, les sites industriels doivent être bien utilisés pour augmenter l'emploi. De plus, la technique doit être transférée par les entreprises à capitaux étrangers. Par conséquent, des efforts doivent être menés pour que l'industrie d'exportation soit fortement encouragée et pour que les exportations via l'industrie textile puissent augmenter à travers le site de l'industrie textile. Cela demande un effort très actif. Et je pense qu'il est important de créer un environnement où les atouts puissent devenir des facteurs pouvant attirer les entreprises à capitaux étrangers. Alors, comment a été créé le Textile Technoparc de l'Éthiopie Lors du sommet entre les deux pays en avril 2015, le gouvernement éthiopien a demandé au gouvernement coréen de soutenir l'aménagement d'un textile technoparc. Ainsi, à travers le développement de l'industrie textile coréenne, il y a une demande de transmettre le modèle de développement qui a constitué la base du développement industriel jusqu'à présent. En réponse à la demande, une étude de faisabilité pour le textile technopark de l'Éthiopie a été menée de mai à décembre 2016. Ainsi, nous avons mené des enquêtes sur le terrain au cours des premiers, deuxième et troisième tours, et une enquête à grande échelle a été également menée pour les entreprises locales en Éthiopie. À travers diverses enquêtes, il y a eu un rapport final sur l'étude de faisabilité en décembre 2016. Et le gouvernement éthiopien a officiellement fait la demande finale auprès du gouvernement coréen en février 2017. En tant que tel, il y a eu une délibération budgétaire par le gouvernement coréen. En reconnaissance de la validité de ce projet, le projet textile Technopark de l'Éthiopie a donc démarré en 2018. Et ce projet sera mené de 2018 à 2022. Le coût du projet est d'environ 75 millions de dollars. Donc un projet d'un montant d'environ 8,4 milliards de won est actuellement mis en cours. Comme mentionné précédemment, ce projet est un modèle d'APD adapté à celui du style coréen par la spécialisation et la collaboration. Le modèle coréen d'APD n'est pas un don unilatéral, mais un modèle dans lequel les pays donateurs et bénéficiaires grandissent ensemble en même temps. C'est un modèle qui se présente donc sous forme d'une APD de type gagnant-gagnant qui favorise une croissance conjointe durable. La caractéristique de ce projet est de soutenir le Textile Technopark de l'Éthiopie en tant que base pour le développement de l'industrie textile et de moteurs de croissance dans l'ensemble de l'industrie. Et voici le contenu réalisé à travers l'étude de faisabilité effectuée en 2016. Premièrement, il y a eu la sélection du site pour le projet. Après avoir recueilli les avis de divers groupes et parties prenantes en Éthiopie, il a été décidé de construire le textile Technopark dans le site industriel textile de Bolélémy, Situé à 15 km de l'aéroport d'Abi-Ababa. Ainsi, le site a été sélectionné au sein du site Bolélémi et un plan de construction a été établi. Au début, le terrain et le coût de construction du bâtiment a été pris en charge par la partie éthiopienne. Et ensuite, le plan de construction pour le pavillon du siège, de l'immeuble et du Global Venture et celui de la production pilote a été établi. La Corée a fourni un soutien pour le matériel et l'équipement. Par conséquent, la Corée a décidé de soutenir l'équipement de test et d'analyse, le matériel pour la formation et la mise en place d'équipements de test et d'analyse qui couvrent l'ensemble des procédés tels que la filature, le tissage, le tricotage, la teinture, la transformation, l'impression textile numérique, le design et la confection etc. Désormais, étant concentré uniquement sur l'industrie de la couture, il s'agit d'une technique simple. Par conséquent, afin de transférer toutes les capacités techniques du processus textile à l'ensemble de l'industrie et d'accroître en permanence la compétitivité dans tous les éléments de la chaîne de valeur, il a été décidé que les matériaux éducatifs soient pris en charge et que le programme de formation comprenant les techniques de l'ensemble du processus soutient le projet. De plus, nous accompagnons le transfert de soutien et de savoir-faire pour parvenir à un développement équilibré de l'ensemble de l'industrie textile en formant non seulement les techniciens, mais également le personnel qui dirige le technoparc ainsi que les dirigeants d'entreprise. En outre, il s'agit d'un programme orienté sur le terrain. Dans lequel des experts sont envoyés sur le terrain pour une formation sur le site et un processus de formation et de consultation du personnel pour la gestion est inclus afin de diriger durablement le Technoparc. Pour la gestion du suivi, nous établissons un plan pour que le Technoparc devienne financièrement indépendant et aidons à établir une gouvernance pour un fonctionnement durable. Afin d'établir des politiques et d'élaborer des projets, détaillé, nous essayons de transmettre un savoir-faire sur la façon de planifier, soutenir et exploiter afin de nourrir l'industrie textile éthiopienne à l'avenir. Et voici le projet principal de l'aménagement du Technopark. Il s'agit du bâtiment pour l'administration du Technopark Industrial Complex Management Corporation, préparé par la partie éthiopienne dans le site industriel de Bolélémy et il est situé à l'entrée du site industriel de Bolélémi. Les troisième et quatrième étages de ce bâtiment seront utilisés comme centre d'administration, de formation et de soutien aux entreprises, et sont actuellement en construction. La durée totale du projet est de 2018 à 2022. Le pavillon du siège et de l'usine pilote, le pavillon pour la formation, et le centre d'essai et d'analyse sont situés à la fois dans le site. L'organisme principal qui mène le projet est le Kyungbuk Technopark. Les organismes participants comprennent l'Institut de recherche FITI, l'Institut de recherche Dietek et la Fédération de l'industrie textile qui sont ceux les plus remarquables de Corée dans le secteur textile. Et voici le déroulement. En 2014, le modèle d'APD a été établi à travers le master plan d'APD. Une étude de faisabilité préalable a été menée en 2014 et le ministère de l'Industrie, l'équipe d'inspection locale et les responsables des ministères concernés du gouvernement éthiopien se sont mis d'accord sur ce modèle de business. Et en 2016, une étude de faisabilité du projet a été réalisée. Ainsi, sur la base de ces investigations, le master plan a été établi et sa validité a été vérifiée. Et maintenant, voici la vision et stratégie d'exécution du Textile Technopark de l'Éthiopie. La première stratégie consiste à construire une chaîne de valeur reliant les matières premières, les matériaux et les produits, en renforçant les capacités techniques pour chaque procédé et en formant une main-d'œuvre professionnelle pour chaque processus. La deuxième consiste à établir un système intégré de soutien aux entreprises pour soutenir la croissance des entreprises textiles. Le modèle de business favorisant la dynamisation des exportations est ainsi créé. La deuxième stratégie consiste ainsi à développer un système intégré de soutien aux entreprises en renforçant le networking national et international. Troisièmement, les stratégies pour nourrir l'industrie textile est établie, ainsi que le transfert du savoir-faire à l'exploitation et, à la gestion des technoparks est mise en cours. Ainsi, pour le développement de l'industrie éthiopienne, la troisième stratégie de promotion consiste à établir un plan de développement industriel et à planifier et exécuter diverses tâches stratégiques. Ainsi, à l'avenir, le textile technopark de l'Éthiopie établira un plan d'autosuffisance durable. De plus, en établissant une plateforme intégrée pour soutenir les entreprises textiles utilisant le modèle de technoparc coréen, nous mettons en place et promouvons l'organisme ayant comme vision de diriger le développement économique global de l'Éthiopie en soutenant l'industrie textile. Ce projet consiste à contribuer à la coopération dans l'industrie textile et de l'habillement entre la Corée et l'Éthiopie en créant un textile technoparc composé d'un siège social d'un centre de formation technique, d'un centre de test et d'analyse, d'un centre de développement de prototypes, d'un centre de soutien aux entreprises et de quatre centres au sein du site du projet bolélémy à Addis-Ababa. Il s'agit ainsi de soutenir la formation de la main-d'œuvre locale et la consultation pour la coopération entre les entreprises. Grâce à cela, l'objectif du projet et d'assurer une base de production locale pour les entreprises nationales de textiles et d'habillement et de créer une base pour l'exportation vers l'Europe et l'Amérique du Nord. Voici le modèle de base du textile technopark de l'Éthiopie. Il existe un centre de formation technique du textile et de l'habillement au sein du technopark. En outre, il existe un centre de test et d'analyse qui encourage les opérateurs à émettre des rapports d'analyse et d'évaluation des tests qui doivent être soumis aux buyers lors de l'exportation. Et ce projet permet d'établir les laboratoires conformes aux normes internationales. Et nous soutenons la création d'un centre de développement de prototypes afin de soutenir la production d'essais, de teintures et de traitements. De plus, en créant un centre de soutien aux entreprises, nous accompagnons l'incubation d'entreprises, de soutien aux entreprises résidentes et construisons un buying office, pour mettre en relation les entreprises de l'offre et les entreprises de la demande afin de favoriser les relations dans le business. Les organismes gouvernementaux concernés comprennent le ministère de l'industrie et le Kiat en Corée. Il existe des technoparks coréens ainsi que des instituts de recherche, des institutions et des associations liées au textile. Donc, le projet est géré par le ministère de l'industrie de l'Éthiopie et l'Industrial Complex Management Corporation et l'ETIDI, Textile Development Institute, sont les agences d'exécution de ce projet. Devant l'entrée du site industriel de Bolélémie se trouve le bâtiment administratif de l'Ethiopian Industrial Complex Management Corporation. Et les troisième et quatrième étages de ce bâtiment sont maintenant utilisés pour le Textile Technopark. De l'Éthiopie. Dans le bâtiment principal se trouve respectivement le bureau administratif, le bureau de soutien aux entreprises ainsi qu'une salle de formation. Un centre de formation aux techniques du textile et de l'habillement, un centre d'accubation d'entreprises, un bureau pour les affaires des entreprises résidentes et un centre de soutien aux entreprises y sont situés. Et un peu plus loin se trouve le pilot plant. Ici, la rénovation est actuellement en cours et un centre de test et d'analyse et un centre de développement de prototypes seront situés à l'intérieur. Et voici l'étendue du projet. À travers ce projet, la première chose que la Corée soutient lors de l'aménagement, c'est la consultation pour la construction. Le terrain et le bâtiment sont fournis par la partie éthiopienne, mais, concernant l'organisation de l'espace pour l'utilisation du bâtiment, la conception de base, ainsi que la conception détaillée, c'est la partie coréenne qui prend en charge. Ainsi, la partie coréenne a soutenu toutes les conceptions et tous les plans pour l'électricité, la communication et l'espace. En ce qui concerne la construction, nous fournissons des consultations pratiques ensemble et soutenons la construction ensemble et au final, l'audit sera effectué par la partie coréenne. Et il y a le développement et le déroulement démonstratif des programmes de formation. Il y a aussi des programmes de formation exploités de manière autonome sur les technoparks. Et nous développons le matériel pédagogique qui vont être utilisés dans chaque programme de formation, gérons ce programme et continuons à former les instructeurs locaux même lorsque le projet est terminé car c'est grâce à eux que le pays pourra continuer à apprendre dans l'avenir. Quant au plan d'exploitation, nous établissons un master plan à moyen et long terme pour le textile technopark, créons un manuel de gestion et fournissons ce manuel pour les entreprises résidentes. Concernant l'administration, nous accompagnons en concertation toutes les démarches administratives nationales et étrangères nécessaires au déroulement des projets. Nous fournissons aussi toutes sortes de matériaux à partir d'installations de production pilote d'installation de production de prototypes, d'équipements d'analyse de tests et de divers équipements requis pour chaque étape et chaque matière d'enseignement. Nous prenons ainsi en charge le matériel de bureau et tous les équipements nécessaires pour le fonctionnement du technoparc. Et nous aidons également les sociétés d'investissement à pénétrer sur le marché. Par conséquent, nous cherchons les entreprises souhaitant investir en Éthiopie, depuis la Corée, et on les accueille comme entreprises résidentes. En outre, les responsables et les membres du personnel du textile Technopark ont été invités pour recevoir une formation en Corée. Conformément à d'autres consultations bilatérales, la coopération d'appui est menée ensemble. Les tâches principales de chaque étape du projet peuvent être considérées en quatre étapes. La première année est l'étape de la formation de la fondation. Il s'agit de jeter les bases nécessaires et d'établir un master plan global. Au cours de cette période, la consultation sur la construction et les équipements, suivie d'une formation d'invitation, est l'objectif principal. En deuxième et troisième année, c'est l'étape du renforcement des capacités. Durant cette période, l'équipement est principalement introduit et des programmes de formation sont élaborés. Ainsi, nous transportons le matériel et l'équipement et terminons l'installation. Nous avons créé tous les programmes de formation et tous les manuels pour chaque programme et avons fait la traduction. Et nous avons préparé des cours de formation qui invitaient des travailleurs de niveau opérationnel à se former en Corée. L'année 4 est celle de la mise en cours démonstrative. Par conséquent, il s'agit de l'étape de la formation améliorant les compétences. Avec l'équipement intégré, nous envoyons des experts coréens sur le terrain pour la formation. C'est l'étape de la formation d'experts dans chaque domaine. En cinquième année, ce qui est la dernière, étant une étape de stabilisation opérationnelle, nous transférons un savoir-faire opérationnel afin que le technopark puisse fonctionner de manière autonome. Nous formons les instructeurs, créons les manuels pour la gestion et le fonctionnement et élaborons des solutions pour régler divers problèmes. En outre, une feuille de route à moyen et long terme est établie et le modèle de réussite est étendu à d'autres sites industriels. Ensuite, je vais vous présenter le deuxième projet, celui de l'aménagement du textile technopark de l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan recherche divers changements pour améliorer les capacités de fabrication et le développement économique grâce au développement d'énergie et d'infrastructures nouvelles. Et renouvelables. De plus, elles mettent en place des politiques industrielles pour faire progresser la structure industrielle. Ainsi, de 2015 à 2018, le gouvernement a promulgué un programme pour assurer la modernisation et la diversification de la réforme des structures de production par un décret présidentiel. Le plan quinquennal pour le développement industriel dans divers domaines a donc été établi. Ceci a permis d'augmenter l'efficacité de l'énergie et du transport, des installations de défrichage et d'infrastructures dans son ensemble. Par conséquent, le projet central thermique complexe de Tashkent est mis en œuvre et les infrastructures de base sont installées telles que les installations de raffinage du gaz, les sites de production de ciment, ainsi que d'autres installations d'infrastructures de transport. Deuxièmement, des efforts ont été déployés afin de renforcer la compétitivité des industries, telles que la transformation des produits agricoles, le textile et la pétrochimie. Les complexes de textile ont été construits à Tashkent et à Namangan. Ayant le but de renforcer la compétitivité de diverses industries, telles que l'établissement d'un complexe de transformation du cuir à Samarkand, de nombreux efforts ont été déployés. Troisièmement, il y a eu l'objectif de réduire la dépendance à l'écart des exportations à faible valeur ajoutée pour la diversification économique. Des tentatives ont été faites pour augmenter la part des exportations de produits à faible valeur ajoutée, à bas prix, vers les industries à haute valeur ajoutée. Dans les zones économiques et commerciales telles que Navoy, Angren et Tizak, le gouvernement est en train de déployer tous ses efforts afin de favoriser l'industrie de la fabrication de pièces automobiles, d'éclairage LED et de fils électriques. Quatrièmement, de nombreux efforts sont déployés afin de soutenir le développement équilibré de l'industrie et d'assurer le potentiel d'exportation et la compétitivité industrielle. Et l'État soutient intensément les principales industries telles que la production d'électricité, la pétrochimie, la chimie, le textile, l'industrie légère, le métal non ferreux, la machinerie, la production automobile, la médecine, la transformation des produits agricoles et la production de matériaux de construction. Cinquièmement, le gouvernement soutient activement la modernisation des installations de production existantes et l'introduction de nouvelles installations de production. En introduisant les technologies et les équipements modernes et en renforçant la formation de professionnels qualifiés, la modernisation de l'industrie est donc encouragée. Par conséquent, dans le cadre de ce plan, il existe une politique de soutien qui exonère les droits de douane lors de l'importation d'équipements, d'installations, de pièces détachées, ainsi que des produits qui ne sont pas fabriqués en Ouzbékistan. Par conséquent, l'état actuel de la politique de l'industrie textile est appliqué pour promouvoir le développement de l'industrie manufacturière à travers le programme de développement industriel de 2015 à 2018. Et il est soumis à l'accueil d'investissements étrangers par l'établissement d'une zone économique spéciale. En outre, dans le développement de l'industrie textile en Ouzbékistan, l'investissement des multinationales joue un rôle très important. On dit même que c'est la présence de ces investissements qui influence le plus le développement industriel national. C'est pourquoi les politiques de privatisation sont également poursuivis pour attirer ces investissements étrangers. Ainsi, en avril 2015, un programme d'expansion des entreprises privées a été annoncé et le gouvernement œuvre activement afin d'attirer les entreprises à capitaux étrangers. Ainsi, la situation des principaux investissements étrangers dans l'industrie textile en Ouzbékistan est la suivante. Les données datent de 2012. Et la Chine est donc le premier pays investisseur. Ensuite vient la Russie et ensuite la Corée du Sud qui est le troisième investisseur important. De plus, si vous regardez l'état actuel de la plantation de l'industrie textile de l'Ouzbékistan, la Turquie se positionne au premier rang. Ensuite vient l'Angleterre, la Russie, la Corée du Sud et la Chine. Ceci montre donc la nécessité de l'aménagement du textile technopark en Ouzbékistan. Le premier objectif de l'industrie textile ouzbèque est le développement économique du pays. L'Ouzbékistan est en effet l'un des cinq plus grands producteurs de coton du monde. Bien qu'elle soit un pays exportateur, elle s'est jusqu'à présent concentrée sur la filature qui incarne une faible valeur ajoutée. Donc, il y a une tendance à convertir cette industrie en une industrie à valeur ajoutée plus élevée. L'objectif est d'établir une ceinture de production textile centrée sur l'Ouzbékistan qui peut avancer sur le marché émergent comme la région de la Russie. C'est pourquoi nous voulons construire une chaîne de valeur de production textile qui relie les matières premières, les matériaux et les produits. Deuxièmement, il est nécessaire de trouver de nouveaux marchés dans la région de la CEI, en Asie centrale, en Russie et en Europe de l'Est. Par conséquent, il y a donc une nécessité de faire implanter les entreprises coréennes en Ouzbékistan et attirer des investissements afin de s'assurer d'une base de production stratégique et de renforcer les bases d'implantation sur le nouveau marché d'exportation du textile. C'est pourquoi nous soutenons activement les entreprises de textile coréennes pour entrer sur le marché local. De plus, après l'aménagement du Textile Technopark, il est nécessaire de préparer un plan de gestion durable, afin que le parc puisse être bien géré. Par conséquent, nous partageons le savoir-faire de l'expérience dans l'exploitation du technoparc de style coréen et préparons une gestion de suivi et des plans détaillés après l'aménagement du parc. Nous soutenons également l'établissement et la mise en œuvre d'un master plan pour que les technoparcs deviennent financièrement indépendants et fonctionnent de manière durable. Grâce à cela, la coopération économique et industrielle entre la Corée et l'Ouzbékistan se renforce. Il est donc nécessaire de trouver un moyen afin de promouvoir le développement mutuel entre les deux pays en reliant la technique de transformation de la Corée aux ressources de l'Ouzbékistan, telles que le coton, la soie et la main-d'œuvre. Tout en partageant l'expérience et le savoir-faire de la Corée en matière de développement technique dans l'industrie textile avec l'Ouzbékistan, la Corée pourra donc rejoindre l'Ouzbékistan pour ouvrir de nouveaux marchés en Asie centrale, en Russie et en Europe de l'Est avec l'Ouzbékistan. Par conséquent, le but de ce projet est de renforcer la coopération industrielle et économique entre la Corée et l'Ouzbékistan. Ainsi, en Corée, nous utilisons la technique de production textile, offrons une compétitivité technique aux entreprises locales et établissons une chaîne de valeur de production textile centrée sur l'Asie centrale. L'aménagement du textile technoparc jettera donc les bases de la croissance de l'industrie textile en Ouzbékistan. Par conséquent, la Corée forme les talents professionnels et soutient le renforcement de la compétitivité industrielle en fonction de l'aménagement du textile technoparc en Ouzbékistan. Grâce à cela, nous construisons un modèle gagnant-gagnant ayant l'avantage d'être pionnier sur de nouveaux marchés de l'Asie centrale et en Russie en mettant en place. Une base de production mondiale. Ainsi, dans un premier temps, à travers ce projet d'APD, le ministère de l'Industrie de la Corée a établi un budget pour soutenir l'aménagement du textile technoparc de l'Ouzbékistan. Nous fournissons également des installations et des équipements textiles et soutenons la formation en la matière. Et donc, le gouvernement ouzbek fournit les terrains, soutient tous les systèmes et lois et sélectionne les personnels. Qui recevront la formation. Ainsi, par la création du Textile Technopark, les producteurs de textiles et les entreprises publiques et privées ouzbek sont progressivement privatisés. Pour soutenir ces entreprises de textile, les entreprises coréennes aménagent le modèle de coopération de type co-entreprise avec ces entreprises locales en Ouzbékistan. Initialement, ce projet a commencé comme projet APD. Désormais, alors que les entreprises Coopèrent entre elles, les entreprises coréennes découvrent des entreprises qui souhaitent investir et créer des co-entreprises. Et lorsqu'elles se connectent avec des entreprises ouzbèques, les entreprises coréennes investissent dans les parts des entreprises. En conséquence, la transition des projets d'APD vers l'investissement privé à l'avenir permettra à l'entreprise de fonctionner de manière durable par elle-même et de jeter les bases d'un développement durable continu. L'avancement du projet du Textile Technopark de l'Ouzbékistan s'est déroulé sur une très longue période. Ce projet remonte en 2005. Les deux parties ont signé un protocole d'entente sur la coopération industrielle entre les deux gouvernements. Et depuis lors, nous avons continué à mener des projets de coopération technique industrielle pendant environ 8 ans. Et cela s'est accéléré progressivement par l'obtention de commandes en Ouzbékistan par les entreprises coréennes. Et l'implantation des entreprises de textile sur le marché local. Ce projet a en effet été demandé continuellement par l'Ouzbékistan. Puis, alors que divers accords ont été conclus entre 2014 et 2018, la construction du Textile Technopark de l'Ouzbékistan a été menée à partir de 2016. Divers projets allant de la construction à l'installation d'équipements et à la formation ont été réalisés, et en septembre 2018, la cérémonie d'ouverture du Textile Technoparc de l'Ouzbékistan a eu lieu et le projet de soutien est maintenant en cours. Concernant ce projet, du côté de l'Ouzbékistan, le coton brut est abondant, mais la technique de transformation est faible. Les entreprises textiles nationales du pays disposent donc d'une ressource abondante. La création d'un champ d'examination pour la plantation des entreprises textiles qui se comblent les unes les autres en appliquant les techniques des entreprises coréennes est donc significative. Le projet a donc été mené à un moment où il était nécessaire de répondre à l'implantation sur le marché de la région de l'Asie centrale et de la région de la Russie. En outre, le projet a été réalisé à un moment où l'infrastructure industrielle et le modèle d'APD développant les capacités de l'industrie privée pour une exploitation durable étaient nécessaires. Il est donc considéré comme un projet opportun. Voici le processus de la création. Après la signature d'un mémorandum d'entente en 2014 et avec le commencement de la coopération technique industrielle, le président coréen s'est rendu en Ouzbékistan et lors du forum de Business Corée-Ouzbékistan, un mémorandum d'entente pour l'aménagement du technoparc a été conclu. Le gouvernement coréen a établi un budget. Et a organisé une cérémonie d'inauguration le 27 juin 2016. Voici la photo de la cérémonie d'inauguration. Il a été construit au cours des cinq dernières années et, avec la cérémonie d'ouverture le 4 septembre 2018, nous soutenons maintenant les entreprises ouzbèques locales et menons un projet de formation pour former la main-d'œuvre technique. Voici l'aperçu du bâtiment. L'emplacement se trouve à Tashkent. Et la superficie d'environ 0,7 hectares. Le coût total de la construction était d'environ 11 milliards de won. Il se compose d'un pavillon pour les recherches et la formation et d'un pavillon de production pour les tests. Il est constitué pour le développement technique, les installations de production de prototypes, la formation, l'expérimentation, l'administration et les installations de recherche. En ce qui concerne l'envergure. Il se trouve que le pavillon pour l'expérimentation pédagogique est celui pour la production de tests. Je vais vous expliquer en détail en regardant la photo. Voici la vue de la façade du bâtiment du Textile Technoparc de l'Ouzbékistan, qui est actuellement en cours de construction et d'exploitation. Si vous regardez à l'intérieur, le bâtiment qui se trouve devant le pavillon A est celui du bureau. Donc, il y a le bureau du directeur, celui du sous-directeur, celui pour l'administration, le soutien aux entreprises, il y a la salle dédiée à la création, ainsi qu'une salle de réunion. Le pavillon B, à droite, est l'endroit pour la RD. Par conséquent, la RD, la salle d'analyse des propriétés physiques, la salle d'analyse d'articles défectueux, le laboratoire de traitement des colorants, la salle d'analyse et d'évaluation des produits, la salle de microscope électronique, la salle de conférence, etc., sont établies. Dans le pavillon C, à gauche, abritent des bureaux pour les entreprises résidentes, le Fashion Showroom, une salle de conférence et un café. Et dans le pavillon D, il se trouve le Pilot Plant pour la production des prototypes de tissus et de vêtements. Il existe ainsi le Pilot Plant pour le tissage, la teinture, le design et le pattern, et la couture ou la formation. La production des prototypes et la R&D sont menées en même temps. C'est le modèle global du réseau du Textile Technopark en Ouzbékistan. Il dispose d'un bureau de planification des politiques, d'une salle de formation pour la technique textile, d'une salle de soutien aux entreprises et d'une salle de soutien à la gestion. Pour ce technopark, le ministère de la Stratégie et des Finances, le ministère de l'Industrie, le KIAT sont en charge. Et le Korea Institute of Industrial Technology est en charge de l'administration. L'Association de l'industrie textile, l'Association coréenne de l'industrie textile et le Kyungbuk Technopark y participent et jouent un rôle pour le soutien aux entreprises. Du côté ouzbek, le ministère de l'Enseignement supérieur, l'Université du textile et le ministère de l'Industrie légère participent ensemble, de sorte que chaque ministère répartit ses rôles pour le soutien aux entreprises et la formation de la main-d'œuvre. En outre, étant donné que la ville de Tashkent est en charge de l'accueil des entreprises et de diverses tâches opérationnelles et administratives, elle accompagne, sous divers aspects, les entreprises locales du pays ainsi que les sociétés d'investissement coréennes et s'occupe de la gestion du technoparc. Par conséquent, grâce à la coopération entre les différents ministères et organisations, elle joue le rôle d'organisme soutenant les entreprises textiles locales et les entreprises d'investissement textile coréen de manière très intégrée. Et maintenant, voici les effets attendus et le mode d'utilisation. Du point de vue de l'Ouzbékistan, il s'agit de jeter les bases pour la croissance de l'industrie textile et de l'habillement et de fournir une compétitivité technique aux entreprises textiles ouzbèques. Ce projet permet donc de contribuer au développement de l'économie nationale. À travers le développement du complexe industriel textile, ainsi qu'au renforcement de la base de production de l'industrie, et il permet de perfectionner la structure de l'industrie textile et de compléter la chaîne de valeur. En outre, ceci a l'effet de créer une dynamisation des startups et de former une main d'œuvre professionnelle dans l'industrie textile. Dans le cas de la Corée, elle peut établir une base de production pour l'industrie textile coréenne et servir de tremplin pour l'expansion à l'étranger et elle peut être une base pour le soutien des entreprises coréennes lorsqu'elles pénètrent dans la région d'Asie centrale et en Russie. Ce projet permettra de renforcer la coopération industrielle et économique entre les deux pays et établira une nouvelle base de production pour les entreprises nationales. En outre, le projet permet de renforcer la compétitivité mondiale dans l'approvisionnement en matières premières et en main-d'œuvre afin de créer des emplois. Pour les entreprises textiles nationales et d'accroître les exportations. Et en tant que base de la vague coréenne dans la région de l'Asie centrale, ceci peut se servir comme un nouveau tremplin. C'est pourquoi, de nos jours, nous recevons de nombreuses demandes de la part des pays asiatiques centrales, comme le Kirghizistan et le Tadjikistan, pour l'aménagement d'un textile technoparc ou des technoparks d'autres industries. Jusqu'à maintenant, je viens donc de vous présenter un exemple détaillé sur le projet d'adaptation locale du Technopark mené par le Kyungbuk Technopark. Je vous remercie de votre attention.